regarde. Et puis la pomme est en bas. Attends, on bouge pas. Voilà. Là, faut que ça avance, là. Dis-le. À partir de Thomas, après Thomas, après Thomas. Je vais renfoncer en Thomas. Voilà, bien. Là aussi. Hop. Là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Faut que ça avance. Avance. Là, c'est bien. Mesdames, Messieurs, cette année, la cérémonie organisée à l'occasion de la fête nationale est présidée par M. Didier Lechien, maire de Dinan. Plusieurs détachements sont présents sur l'esplanade, les jeunes sapeurs-pompiers de Dinan, les représentants de la brigade de gendarmerie de Dinan, une délégation d'anciens combattants, les porte-drapeaux d'associations patriotiques et d'anciens combattants, le Bagad Andaoubourg et les sapeurs-pompiers de Dinan, ainsi que les présidents d'associations patriotiques et d'anciens combattants. Durant cette cérémonie, le lieutenant-colonel de Carbolet, commandant la compagnie de gendarmerie de Dinan, remettra une décoration et fera lecture d'une lettre de félicitations du commandement du groupement de gendarmerie des troupes d'armoire. Ensuite, les sapeurs-pompiers, le Bagad, les jeunes sapeurs-pompiers passeront en défilé devant les autorités avant de nous rendre au monument aux morts pour le dépôt de gerbes. À l'issue de l'hommage aux morts, nous reviendrons en défilé à l'hôtel de ville pour le traditionnel vin d'honneur auquel vous êtes tous conviés. De décoration par le lieutenant-colonel de Carbolet. Messieurs le maire, rejoignez votre emplacement. Gendarme Nicolas Carmona. Au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze pour le motif suivant. Gendarme du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Saint-Martin en Guadeloupe, particulièrement courageux et animé d'un sens élevé du devoir. Du 30 novembre au 2 décembre 2021, intervient dans le cadre des violences urbaines qui sévissent depuis plusieurs semaines sur l'île de Guadeloupe. Sur place, il fait face à des dizaines d'individus cagoulés qui, depuis des barricades montées et enflammées, jettent des pierres, des cocktails Molotov et des mortiers de feux d'artifice. D'un remarquable sang-froid, participe aux opérations sensibles menées pour contrer les actions violentes des manifestants en confrontation avec les forces de l'ordre afin de bloquer l'île et de prendre le contrôle de certains secteurs. Par son action, malgré des blessures occasionnées par des tirs de projectiles divers, a permis, durant toute la crise, de contenir l'adversaire
et d'assurer la sécurité des personnes et des biens de sa circonscription. Thank you.
Thank you.